Bonjour à tous, on va rester encore quelques minutes le temps que les participants arrivent au fur et à mesure. Et puis après, on pourra rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, donc qui est le premier d'une série de quatre webinaires sur la thématique du financement de la décarbonation et la couverture des risques, et donc qui s'intitule Comment réduire les risques de financement. Donc tout d'abord, quelques informations pratiques, hein, très simples. L'ensemble des présentations vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire. Pendant les présentations, seuls les intervenants peuvent prendre la parole. Et puis, bien sûr, suite à chaque intervention, on aura un petit moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'encart questions, hein, qui est dédié. Ça nous permettra de potentiellement y répondre plus tard si on n'a pas la possibilité de répondre à l'ensemble des questions. N'hésitez pas, bien sûr, à nous faire part de vos suggestions à la suite de ce webinaire, puisque vous aurez un petit sondage rapide à remplir. Donc, concrètement, pour les interventions de ce jour, on va commencer par une petite introduction et présentation d'Alice. Donc, vous voyez toute l'équipe Alice, hein, donc, avec moi-même, Lucille Payette. Il y a aussi Christophe Debarre, le président de la structure, Joseph Bourgine et Leïla Abredabou qui sont présents aujourd'hui avec nous pour organiser cet événement. Et puis, concrètement, pour répondre à cette question, comment réduire les risques de financement, Céline Huitric, Noémie Papon et Clément Goé sont les experts qui vont pouvoir aujourd'hui répondre à cette question. Donc, simplement, avant de commencer, je voulais vous présenter ALICE, donc, qui est une organisation qui a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de l'efficacité énergétique et de la décarbonation de l'industrie. Concrètement, notre raison d'être, c'est de favoriser l'émergence de nouvelles solutions et puis d'accompagner l'innovation dans une approche transverse. Donc, pour ce faire, on a un certain nombre de travaux collectifs pour nos adhérents et donc des études réalisées pour nos adhérents sur des thématiques qui leur sont chères en rapport avec la décarbonation de l'industrie. On a également, bien sûr, comme cœur d'action l'initiation de projets collaboratifs sur la thématique de la décarbonation et puis toute une activité d'animation de la communauté et de valorisation de la filière. Donc, animation comme par exemple ces webinaires publics qu'on va organiser dans les prochaines semaines. En particulier, donc, parmi nos travaux collectifs, on a eu une étude réalisée sur la couverture des risques de financement pour les projets d'efficacité énergétique. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on tenait à faire cette restitution sous forme d'une série de webinaires, donc grâce à l'intervention notamment de Céline Huitric, qui a mené cette étude avec le cabinet Enea Consulting. Donc, nos thématiques d'intervention, hein, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la
tous les leviers de la décarbonation, donc l'efficacité énergétique bien sûr, mais également l'introduction d'énergies alternatives et des leviers transversaux concernant la transition numérique et les modèles économiques et de financement. Donc, sur notre écosystème, on a actuellement voilà, une cinquantaine de membres et de toute façon, vous pourrez retrouver ces informations en particulier sur notre site internet. Mais rentrons maintenant, je pense, dans le cœur du sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Céline Mitric pour répondre à cette question de comment réduire les risques de financement. Merci beaucoup, Lucille. Donc je vais peut-être commencer déjà par m'introduire. Céline Mitric, je suis manager chez Enea Consulting. Donc, Enea Consulting, c'est un cabinet de conseil en stratégie spécialisée dans la transition énergétique. Donc, on mène voilà, des études de marché, études de positionnement stratégique, benchmark technologique, feuille de route de degré de neutralité carbone. Et notamment, donc, on a mené pour Alice cette étude, qui est donc une étude sur les risques de financement des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Vous voyez ici le contexte et les objectifs de l'étude. Donc, le principal objectif, c'était de donner aux décideurs, au sein notamment des groupes industriels et des plus petites entreprises industrielles, des moyens pour comprendre, anticiper quels sont les risques de montage, de portage de ces projets d'efficacité énergétique dans l'industrie, notamment les risques qui vont empêcher leur financement, et de leur donner aussi les outils pour anticiper, réduire ces risques, donc en leur présentant tout un tas d'instruments de couverture des risques. Et donc, l'étude intégrait à la fois une cartographie complète des risques et de ces instruments de couverture, mais aussi des retours d'expérience basés sur des cas concrets d'industriels qui ont mené des projets d'efficacité énergétique en recensant leurs risques et les instruments qu'ils ont pu mettre en place pour réduire ces risques. Et puis, à la fin, l'étude comprenait aussi un outil d'aide à la décision pour les adhérents qui ont reçu l'étude. Donc voilà pour le contexte et les objectifs. Concrètement, dans l'étude, qu'est-ce qu'on a regardé? Donc, on a regardé déjà les typologies de projets d'efficacité énergétique. Donc, c'est la première partie du triptyque projet, risque, instrument. On a aussi fait une cartographie complète des risques associés au portage de ces projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Et puis, on a lié un peu les deux, voilà, par typologie de projet d'efficacité énergétique, donc en fonction du type d'industriel, du type d'équipement, etc. Quels sont les risques à anticiper? Et puis, une dernière partie où on a aussi cartographié les instruments de couverture de ces risques vis-à-vis de chacun des risques et aussi dans un outil d'aide à la décision pour chaque typologie de projet, quels sont les instruments les plus adaptés. Et bien sûr, tout ça illustré avec des retours d'expérience. Donc, pour vous donner un petit peu des éléments issus de l'étude, ici, on a un résumé de la cartographie. Donc, c'est la synthèse. Hein. Il y a une cartographie beaucoup plus détaillée dans l'étude, mais la synthèse des risques qu'on a classés en quatre catégories, des risques internes. Donc, ce qu'on appelle risques internes, c'est des risques qui sont liés à l'industriel lui-même. Ils peuvent être soit opérationnels, soit financiers. Donc, des risques internes opérationnels, ça va être des risques liés au manque de moyens humains, moyens matériels, des risques liés à l'outil industriel en lui-même, la complexité, la visibilité sur la production. Des risques internes financiers, ici c'était plutôt des risques liés au fléchage des investissements en interne chez l'industriel, plutôt vers du cœur de métier et parfois un manque de budget lié à l'efficacité énergétique. Des questions aussi d'exigence de rentabilité, de complexité des schémas de financement. Donc ça, c'est les risques internes. On a aussi cartographié tous les risques externes, donc qui ne sont pas liés directement à l'industriel, mais plutôt à l'écosystème d'acteurs autour. Donc soit des risques externes opérationnels, ici ça va être des risques très liés vraiment au projet, aux équipements, à leur fiabilité, l'intégration de ces équipements au sein de l'outil industriel. Et puis des projets externes financiers qui ici regroupent des risques pardon, externes financiers qui regroupent tous les risques liés à l'accès au financement externe, donc financement des prêts bancaires, réticence des investisseurs par méconnaissance de ces projets. Donc voilà, ici c'est vraiment un résumé des risques. Et puis en face de ça, on a fait remonter un certain nombre d'instruments. Et si ici, on regarde les quatre grandes catégories, on va dire, d'instruments qui ont pu être montés. Donc, il y a les mécanismes de soutien, ce qui sera le sujet du webinaire aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont à disposition des industriels pour aider les projets à se lancer. Il y a aussi tout ce qui est schéma de tiers financement. Et ici, ça fera l'objet d'un deuxième webinaire. Donc, on parle de SPV, on parle de contrats de tiers financement. Une troisième catégorie d'instruments de couverture qui sont les modes de financement, pour le coup, donc où aller chercher l'argent.
Et puis un dernier type d'instruments de couverture qui sont ici beaucoup plus opérationnels, des bonnes pratiques pour réduire les risques liés à ces projets d'efficacité énergétique dans l'industrie. Et donc ces quatre grands types d'instruments vont faire l'objet de quatre webinaires. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier webinaire qui a pour objectif de répondre à la question comment réduire les risques de financement à travers ces mécanismes de soutien. On aura un deuxième webinaire le 4 mai qui aura pour objectif de creuser cette question des montages de tiers financement SPV, où ici on aura une intervention de NUIT et de énergie circulaire. Un troisième webinaire le 25 mai sur le sujet des financements privés, avec une intervention donc de la Banque Populaire et de Falcor. Et puis un dernier webinaire début juin, qui sera ici focalisé sur les bonnes pratiques opérationnelles, où on va parler donc avec la T2E parlera du programme ProRéfi. On aura aussi une intervention de Sodeleg et puis une intervention d'OptiEnergie. Voilà, donc aujourd'hui, on a deux intervenants, Domi Papon, qui est donc chef de projet énergie-industrie chez Greenflex, qui va nous parler de leur programme Invest, et Clément Goé, qui est responsable service projet et efficacité énergétique chez Cameo, qui va nous parler des C2E. Donc je vais leur laisser la parole, et puis il y aura des séances de questions après chacune des interventions. N'hésitez pas à les préparer, à nous les envoyer sur le chat. Merci Céline. Du coup, je reprends la main. Donc, bonjour à tous, je suis Noémie Papon. Donc, je travaille chez Greenflex, qui est une entreprise qui accompagne les entreprises et les collectivités sur tous les sujets de transition environnementale. Et je m'occupe plus particulièrement des sujets énergie dans l'industrie. Donc, aujourd'hui, je vais surtout vous parler du programme Invest, donc, qui est porté par Greenflex. Qui est un programme qui en fait s'appuie sur les mêmes constats que ceux qu'a présenté Céline hein, sur le voilà tous les freins qu'on rencontre dans l'industrie sur le financement de projets. Et donc l'objectif de ce programme, c'est de faire monter en compétence la communauté des financeurs en industrie sur ce sujet d'efficacité énergétique et de décarbonation. Donc, il y a un volet central qui est de la formation sur ce sujet qui se décompose en un e-learning, une formation présentielle ou à distance de 2 jours, et puis un accompagnement individuel sur un projet porté par un industriel pour l'aider à construire l'analyse de son projet et puis la bonne mécanique de financement de ce projet. Autour de ce parcours de formation, on travaille sur des outils, des partages de méthodologies pour justement alimenter et donner des clés aux financeurs, que ce soit côté industrie ou côté banque. Voilà, on travaille avec les deux publics. Donc aujourd'hui, je vais vous illustrer par deux exemples dans toute cette palette dont on parlait sur les solutions de financement et puis les outils de, on va dire, de maîtrise des risques. Vous avez ici quelques exemples de thématiques qu'on aborde dans le parcours qui sont des instruments clés sur ce sujet des projets de décarbonation. On va faire un focus sur 2 points. D'abord, dans cet univers des subventions, je vais vous montrer un exemple dans le cadre du plan de relance avec l'exemple des projets qui ont été portés par Saint-Gobain. Et puis un deuxième exemple sur une articulation particulière entre les certificats d'économie d'énergie et le contrat de performance. Voilà, donc l'importance de tous ces outils, c'est de bien les comprendre, on va dire, individuellement et puis aussi de savoir les combiner. Pour en tirer le maximum de valeur pour vous aider dans vos projets. Alors, premier exemple sur le plan de relance. Donc c'est un exemple qui avait été partagé par Lucille Charbonnier, donc qui est responsable RSE chez Saint-Gobain, chez Isover en particulier. Et c'est elle en fait qui a porté l'ensemble de ces dossiers dans le cadre de l'appel à projet porté par l'ADEME, alors qui s'appelait Indus EE pour les connaisseurs, mais voilà, c'est un appel à projet sur l'efficacité énergétique qui est élargi aujourd'hui au sujet de décarbonation d'ailleurs.
Donc ça, c'est les résultats de la première vague de candidatures, on va dire, et de lauréats qui a été diffusée en début d'année. Et donc sur les 17 lauréats de cette première échéance, il y a 4 projets qui ont été retenus, portés par Saint-Gobain. Donc c'était assez marquant. Et donc on a partagé avec Lucille sur les, on va dire, les points forts et les arguments clés qui ont fait le succès de ces projets. Pour résumer, parmi tous ces points, ce qui est ressorti vraiment, c'est l'analyse et la valorisation de tous les bénéfices énergétiques, évidemment, mais aussi non énergétiques de ces projets. Donc, évidemment, l'impact CO2, l'impact sur l'emploi, sur la productivité, sur l'écosystème industriel aussi autour des sites. L'importance de bien identifier et de bien quantifier ces avantages. Et puis le deuxième volet, c'est tout ce qui porte sur on va dire, l'analyse des risques, évidemment, des atouts et les risques du projet, et de bien quantifier en fait ces risques-là et ces atouts pour construire un argumentaire solide, cohérent, qui s'inscrit bien dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça en fait qui est décisif, que ce soit auprès d'un investisseur ou auprès d'une entité qui va valider une subvention comme l'ADEME dans ce cadre-là. C'est vraiment ça qui fait un argumentaire solide pour défendre les projets. Donc, premier exemple, voilà, sur le plan de relance. Et deuxième exemple, alors toujours dans cet univers un peu des subventions, on va dire, au sens large, hein, en tout cas des aides à l'investissement. Je ne vais pas revenir en détail sur le C2E, c'est Clément qui présentera juste après, mais je voulais faire un petit focus sur l'articulation entre le CPE, donc le contrat de performance énergétique, qui est en fait pour le coup, un instrument de mitigation des risques très, très important, qui va venir adresser le risque de performance des projets, c'est-à-dire le risque que le projet ne génère pas les économies espérées ou attendues. Donc l'idée du contrat de performance, c'est de s'engager sur un montant d'économie. Donc c'est un tiers qui va s'engager. Ça peut être le constructeur, ça peut être un tiers de confiance, ça peut être l'investisseur qui va s'engager sur les économies du projet. Et en fait, ce mécanisme, depuis mi-2020, il permet de bonifier le volume et donc le montant de C2E que vous pouvez obtenir sur un projet. Alors, ça se fait sous des conditions très strictes, entre guillemets, qui garantissent que le contrat de performance est vraiment engageant, avec un volume, une durée et puis un système de pénalité sur l'engagement qui permet d'amener une bonification selon une formule, ouais, qui est détaillée ici. Et donc ça, ce mécanisme, il est très intéressant pour venir vraiment booster cette aide à l'investissement via les C2E. Et c'est un mécanisme qui va disparaître en fin d'année pour les secteurs industriels notamment et l'agriculture. Donc pour terminer, je vais vous illustrer un exemple de ce mécanisme-là pour que vous voyez un petit peu on va dire en chiffres et en réalité ce que ça peut donner sur un projet. Donc c'est un projet d'investissement qui a été mené chez un industriel de l'agroalimentaire pour investir dans une extension de site, donc avec la construction d'une nouvelle ligne de production. Et donc ce projet portait sur l'investissement notamment de toutes les utilités qui vont alimenter cette ligne de production, donc la vapeur, le froid, l'air comprimé qui vont alimenter cette ligne. Donc l'idée, c'est que c'est un projet qu'on appelle clé en main, c'est-à-dire que le porteur du projet est en fait gestionnaire de l'ensemble des étapes, de l'étude technique, en passant par les travaux jusqu'à la réception, et qui s'engage sur la performance de l'installation. Donc dans ce schéma, voilà, Greenflex porte toutes ces casquettes. Pour le compte de l'industriel, lui garantit ces éléments, notamment sur la partie économie. On est sur un volume d'engagement de 35%
Donc on est bien dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure de l'engagement minimum requis pour la bonification des C2E. Et donc cette bonification, elle est pas neutre parce que au final sur le projet, c'est un projet d'investissement d'un peu plus de 10 millions d'euros et on a plus de 9 millions d'euros de couverture par les C2E, notamment bonifiés par ce contrat de performance. Donc voilà, on a les trois quarts du CAPEX qui était couvert dans le cadre de ce projet, d'où l'importance au-delà du risque de performance qui est parfaitement maîtrisé avec ce contrat. Pour la partie financement, c'est assez décisif sur un projet d'investissement comme celui-ci. Voilà. Si vous avez des questions, on peut prendre quelques minutes pour y répondre avant de passer la parole à Clément sur les C2E. Merci Noémie. Alors bon, on va attendre que les participants aient le temps peut-être de noter leurs questions au fur et à mesure. Je vais poser peut-être la première question naïve, on va dire, à laquelle on peut s'attendre. Bah, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à la formation Invest? Alors, sur le programme, vous avez toutes les informations sur le site internet. Je pourrais vous partager le lien dans le chat. Donc, en ce moment, évidemment, les formations présentielles, sont peu nombreuses. On espère reprendre, au plus vite. Le format, on va dire, privilégié, c'est le distanciel. Donc, il y a un parcours en distanciel, en fait, en 4 demi-journées. Donc, les prochaines dates sont au mois de mai, et il y a ensuite des sessions voilà, tous les 2 mois à peu près de formation qui sont planifiées. Donc la formation elle peut être prise en charge en partie pour les industriels notamment à 50% ou à 100%, à 100% pour les PME et puis à 50% pour les grandes entreprises. Parfait. Et puis donc à travers cette formation, finalement, en termes de retour d'expérience, ça permet de faire émerger justement de nombreux projets. Ça permet bien justement aux formés de prendre conscience de comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place ces projets. Peut-être réfléchir à justement le fait que bah oui, que les risques peuvent être gérés par des dispositifs type CPE, C2E, etc. Quel retour d'expérience tu as là-dessus? Bah, ce qu'on voit surtout, c'est en fait, la formation, elle permet de s'approprier les sujets, notamment avec des cas pratiques. On fait beaucoup de mises en pratique, en fait, dans le parcours pour manipuler, voilà, manipuler les outils, quantifier des projets. Et puis derrière, ce qui est vraiment déclencheur, pour les entreprises, c'est l'accompagnement individuel parce que en fait le formateur il va vraiment prendre le temps de se pencher sur le projet du stagiaire et d'adresser le point qui peut bloquer soit très en amont dans l'analyse sur une analyse de risque, une quantification d'économie, soit beaucoup plus tard on va dire la vie du projet au moment du choix du mode de financement dans sa discussion avec sa direction financière ou sa banque. Voilà, ça permet de cibler et de faire sauter le frein qui bloque un projet qui est dans les tuyaux et qui nécessite pas grand-chose pour émerger. Parfait. Alors, on a une question du coup qui a été posée alors, par Pascal Isambert. Concernant le format CPE en particulier, qui a priori est assez, voire trop engageant pour les technologies innovantes, y a-t-il des formats de contrat qui permettent d'intégrer cet aspect innovant, donc type BPI, ADEME ou autre, en réduisant le risque pour la start-up qui propose sa solution? Alors c'est vrai que le CPE, en fait, il est plus adapté sur des technologies relativement standards. C'est un format qu'on retrouve beaucoup sur les utilités industrielles, sur le froid, sur les chaufferies, sur l'air comprimé. Parce qu'effectivement, pour s'engager sur des économies, il faut que le tiers qui s'engage, il puisse mettre les moyens en œuvre pour garantir cette économie. Et donc sur une solution innovante,
par définition, il va avoir plus de mal à le faire. Sur ces solutions-là, généralement, le CPE n'est pas forcément très adapté. On va plus se retourner vers des mécanismes de subvention comme on a sur le plan de relance. Généralement, il y a une distinction dans les mécanismes entre les projets relativement standards et éprouvés, et puis les projets innovants. Je prends l'exemple de l'hydrogène hein, dans le plan de relance. L'hydrogène, les aides dans le cadre du plan de relance sont vraiment ciblées sur les projets innovants dans le cadre d'un des appels à projets. Et là, c'est fait pour, et donc l'ADEME ou la BPI ou d'autres organismes s'engagent volontairement sur des projets innovants et donc par définition plus risqués. Mais voilà, généralement, c'est pas les mêmes canaux et donc j'orienterai plutôt vers des appels à projets innovation. Donc l'ADEME et la BPI en portent beaucoup que sur des mécanismes classiques de CPE parce que en fait on aura du mal à trouver des tiers qui vont s'engager ou alors qui vont le faire mais à un coût très élevé et donc qui va un peu perdre de son intérêt. Parfait. Alors, justement, merci pour votre réponse qui est très claire. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que c'est parfait pour nous. On va pouvoir en effet retrouver toutes ces informations alors, pardon, sur la formation Invest. Donc, normalement, vous avez dû recevoir le lien dans le chat. Voilà, merci beaucoup Noémie. Et maintenant, on va laisser donc la parole à Clément Angoué de Cameo pour revenir sur le dispositif des C2E. Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clément Goé, je suis responsable de l'équipe projet et efficacité énergétique chez Cameo. Donc, rapidement, en deux phrases sur Cameo. Donc, c'est une société de 80 salariés qui a été créée en 2012 et qui agit aujourd'hui en tant que tiers de confiance auprès de fournisseurs d'énergie dans la gestion de leur obligation C2E et qui est du coup interface de financement auprès de porteurs de projets. Donc, on agit aussi bien pour les copropriétés, dans le tertiaire, dans l'agriculture. Et puis, on a une assez forte présence dans l'industrie. Donc, je ne vais pas aujourd'hui vous faire l'affront de vous représenter des spécialistes CESE. Je pense que vous le connaissez tous et vous le pratiquez tous assez régulièrement. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est je vais reprendre le retour d'expérience qu'on a présenté dans l'étude d'Enea. Du coup, que je vous invite à lire encore une fois. Et puis, je vais profiter de cette occasion pour extrapoler un petit peu au-delà de la gestion du risque par le C2E, de vous présenter en quoi il y a les points de vigilance à retenir pour que le C2E il soit bien adapté justement au projet d'investissement. Donc, sur le projet en lui-même, donc l'industriel, c'est une société qui est spécialisée dans la plasturgie, qui fabrique des pièces de plomberie, qui est située en Moselle, et donc qui avait un parc de presses à injecter hydraulique très, très vieillissant, puisqu'elles avaient toutes entre 20 et 25 ans. Donc, il avait besoin de renouveler ces presses. Et l'objectif, c'était de profiter de ce renouvellement pour passer sur des presses à injecter électriques. Qui consomment déjà 40% d'énergie en moins, qui sont plus faciles à entretenir, qui sont plus faciles à manipuler, mais qui coûtent 30% plus cher. Donc, les C2E ont permis de couvrir une grosse partie de l'investissement, puisque c'était un coût de 80 millions d'euros, 80 millions, 5,5 millions d'euros, et la couverture, c'était 80% de l'investissement, donc 4,5 millions d'euros. Donc, on pourrait s'arrêter là en disant que bon, 80% de l'investissement, c'est très intéressant. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes à voir là-dedans. J'y reviendrai un peu plus loin. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un gros risque pour l'industriel, un risque technologique, un risque financier, et puis un risque lié à son métier, puisque les presses injectées, c'est vraiment le cœur de son activité. L'entreprise, l'industriel a procédé à plusieurs techniques pour réduire ce risque. Donc déjà, le ramp-up, alors ça a été brièvement présenté tout à l'heure par Céline,
qui est plus une bonne pratique. L'idée, c'était d'investir en plusieurs fois pour avoir un retour d'expérience sur les premières presses. Donc, en tout, il y avait 35 presses. Il y en a eu deux qui ont été faites deux achats qui ont été faits dans un premier temps et qui ont été après utilisés pour avoir le retour d'expérience sur le gain en énergie, sur le niveau de service, sur la facilité d'utilisation, etc. Et puis, ce qui a permis de rassurer aussi l'industriel sur la technologie, c'est que cette technologie-là, elle faisait l'objet d'une fiche CE2 standardisée. Donc, ce qui prouve que c'est une technologie qui est aujourd'hui mature, avec des gains qui sont validés. Un petit aparté là, rapidement sur la fiche standardisée, puisqu'on parle de risque. Aujourd'hui, quand on parle de CE2E, on essaie la plupart du temps de privilégier les CE2E standards. Là, sur un projet comme ça, effectivement, c'était très facile puisqu'il y avait une fiche qui existait. Des fois, dans certains projets un peu plus complexes, des projets industriels notamment, se pose la question d'essayer de se raccrocher à des fiches CE2E standards ou de partir sur un projet spécifique. Les deux ont des risques et les deux ont des avantages. L'avantage du standardisé, outre le fait que le paiement de la prime, il se fait beaucoup plus simplement, l'obtention des CE2E est beaucoup plus rapide. Bah, ça a l'avantage que on est certain du gain. Par contre, on n'est pas certain de l'économie d'énergie qui va être faite in fine. Elle est standardisée, comme son nom l'indique. Par contre, sur le CE2 spécifique, on n'est pas certain de la subvention CE2 qu'on va obtenir. Par contre, l'économie d'énergie, comme le processus de CE2 spécifique nécessite un travail d'expertise qui est assez lourd, on est à peu près certain des économies d'énergie qui vont être générées. Donc là, c'était vraiment pas l'objet sur ce projet-là. Par contre, sur d'autres projets industriels, la question peut se poser de la pertinence de passer sur un CE2 standard ou un CE2 spécifique. Donc je ferme la parenthèse là-dessus. Donc ça, c'était pour le risque technologique. Sur le risque réglementaire, donc l'industriel ne connaissait pas les CE2E. Forcément, ce n'était pas son métier. Donc ils se sont appuyés sur un prestataire, en l'occurrence, là, c'était Cameo. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les accompagner sur quelle technologie prendre et puis s'assurer que ça soit bien éligible et qu'ils maximisent les CE2E. Je vous donne un exemple très concret, c'est que l'investissement, il a été fait début d'année 2020 et il se trouve que la fiche CE2E, elle a changé au 1er avril 2020. Ce qui fait que si l'opération était engagée après le 1er avril, elle aurait généré 10% de CE2E en moins. Donc, il y avait plusieurs possibilités d'investissement, soit d'un investissement global sur l'ensemble des presses, soit par lot. Et du coup, vu qu'il y avait un changement de fiche, on les a alertés là-dessus. Ils ont fait un investissement global sur l'ensemble des presses avant l'évolution de la fiche. Et puis, en plus de ça leur a permis, vu qu'il y a eu à cause du Covid, les presses venues du Japon, il y a eu un énorme retard de livraison. Ça leur a permis peut-être d'avoir moins de retard que ce qu'ils auraient pu avoir par ailleurs. Et bien sûr, le coût de notre prestation, comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand il y a un tiers expert des CE2E qui intervient, s'il est pris en charge par le financeur, donc par l'obligé. Donc, le risque financier, il a été couvert largement par les CE2E, puisque à la fois l'entreprise, l'industriel avait pu mesurer le retour sur investissement en ayant déjà préalablement acheté deux presses. Et en ayant pu mesurer du coup le gain. Et puis bah, finalement, les CE2E ont permis de couvrir 80% du coût d'investissement. Donc ça, c'est l'industriel était retombé sous son seuil de 2 ans et demi de temps de retour, qui était un des critères. Alors je précise quand même que 80% de couverture CE2E, c'est très très rare. La plupart du temps, les CE2E couvrent entre 5 et 20% de l'investissement. Pour un projet quand même à 5 millions d'euros, c'est même 20%, ça représente 1 million, donc c'est pas négligeable. Mais il y a que quelques fiches CE2E ou alors dans du spécifique, on peut trouver des niveaux de valorisation assez importants, notamment les projets de récupération de chaleur ou quelques opérations sur des chaudières industrielles, sur les traitements d'eau ou sur les changements de brûleur par exemple. Donc une très grosse couverture par le dispositif. Et puis, enfin, sur le montage financier qui a été privilégié. Il y a eu une avance sur facture qui a été faite par l'installateur et qui lui-même a bénéficié d'une avance de la prime CE2E par le fournisseur d'énergie au fur et à mesure des livraisons.
Donc, ce qui a permis à l'industriel de n'avoir pas à débourser, de ne pas avoir à faire d'avance. Donc, in fine, le C2O ont permis de bien couvrir l'ensemble des risques qui ont été identifiés. Par contre, ce sur quoi je voulais revenir, c'est sur quelques points de vigilance qui, d'une manière générale, sont importants de retenir quand il y a un projet industriel. Puisque là, sur ce projet-là, par exemple, on a vraiment on a fait en sorte à ce que ça corresponde bien, ça matche bien avec le projet et ce qui était attendu. Alors, j'ai quatre exemples, notamment le risque de baisse du marché. Donc, comme vous le savez, le dispositif C2E, il fonctionne sur un marché. Donc, il y a un cours des C2E qui est fonction de l'obligation des obligés et de leur atteinte de leur obligation. Donc là, l'objectif, c'était de fixer le prix de rachat des C2E par l'obligé au plus tôt pour couvrir la baisse. Puisque, comme vous le savez, il est nécessaire d'avoir un rôle actif et incitatif de l'obligé auprès du bénéficiaire, notamment en fixant le prix. Et donc là, l'intérêt, c'était de le faire au plus tôt pour que, en cas de baisse, l'industriel soit rassuré sur le montant qu'il allait percevoir. En cas de hausse, on aurait pu justement intervenir pour refaire un engagement. Donc ça, c'est la première chose, le risque de baisse du marché. Le deuxième risque, à mon sens, l'un des points les plus importants, c'est de fixer l'éligibilité de l'opération avant l'engagement. Donc pour moi, c'est vraiment primordial, notamment pour les projets. Alors celle-là, pour le coup, c'est des presses industrie et des presses à injecter. En industrie, c'est assez simple, puisqu'il suffit de se caler sur le modèle de presse et de voir si c'est éligible. Sur des projets plus complexes de changement d'utilité, sur de l'air comprimé, sur du froid, etc., il y a plusieurs opérations. Il peut y avoir des changements en cours de route. Donc, c'est pour moi, il est nécessaire de vraiment caler l'éligibilité de toutes les opérations. Déjà, ça permet de connaître le montant de la prime. Et puis, ça permet aussi de mettre toutes les parties prenantes dans la boucle, y compris l'installateur, pour être sûr qu'en cas de changement, qu'on valide bien l'éligibilité de l'opération et l'éligibilité des changements qui peuvent être apportés au projet, sans que ça remette en cause le montant des C2E. Et puis l'intérêt aussi, c'est l'intérêt d'impliquer l'installateur, c'est que pour faire des C2E, donc du coup, pour faire un dossier C2E, il faut produire un ensemble de documents, il faut une preuve d'engagement, une preuve d'achèvement, il faut des documents qui sont propres au dispositif, il faut des documentations techniques. La plupart de ces documents-là, c'est les installateurs qui les produisent. Donc, ça permet aussi d'éviter en fin de projet des allers-retours ou des discussions ou des incompréhensions sur ce qui est demandé par l'obligé et ce qui peut être produit par l'installateur et le bénéficiaire. Donc, validation de l'éligibilité, engagement de l'opération avec un obligé. Alors ça, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis avec ça, mais là, en l'occurrence, sur ce projet-là, Cameo agissait en tant que mandataire de l'obligé. Donc ça veut dire qu'en cas de défaillance de Cameo, l'obligé prenait la relève de Cameo pour assurer le financement du projet. En fait, le risque qu'il peut y avoir là-dessus, c'est aujourd'hui, on est dans la quatrième période des C2E. Le dispositif, il évolue régulièrement et il peut y avoir des changements qui interviennent d'une période à l'autre, qui peuvent invalider certaines opérations, certains projets ou certains statuts. Donc, pour moi, il est nécessaire pour un industriel qui s'engage de s'assurer que l'entité financeur soit vraiment en capacité d'honorer ce financement, notamment quand il y a un changement de période, ce qui est un peu le cas en ce moment. Je pense notamment aux délégataires. Alors là, ce n'est pas une critique que j'ai envers eux. Ils sont plutôt victimes de ça, pour le coup. C'est que le statut de délégataire qui représente aujourd'hui une partie des entreprises qui travaillent sur le secteur, il est soumis à validation de la DGEC, de l'administration. Et cette validation, elle peut être révoquée, elle peut être modifiée, elle peut évoluer. Donc pour moi, il est nécessaire que l'industriel il s'assure bien de la capacité de l'entité à mener son projet à terme. Et puis enfin, sur le montage contractuel, donc ça, j'y reviens, j'en ai déjà un peu parlé, sur l'implication de l'installateur à toutes les phases du projet.
C'est pour moi, c'est vraiment l'un des points les plus importants, notamment, bah, je l'ai déjà dit, pour le suivi du projet au fil de l'eau. Pour nous, c'était une condition, et pour le budget, c'était une condition pour pouvoir préfinancer la prime au fil de l'avancement du projet, que le montant de la prime soit versé à l'installateur. Et puis, ça permet aussi finalement de résoudre toutes les questions un peu pièges qu'on peut se poser sur le dispositif dans les projets. Notamment, on parlait tout à l'heure du CPE. Dans le cas du CPE, la question de quelle est la date d'engagement de l'opération, c'est quelque chose qu'il faut régler avant pour éviter d'invalider tout le dossier par la suite. Dans le cas d'une SPV, par exemple, qui va être évoqué dans un prochain webinaire. La question du bénéficiaire des C2E, c'est aussi quelque chose une question qu'il faut se poser avant engagement de l'opération. Et ça, c'est pareil. Du coup, l'implication de toutes les parties prenantes est vraiment importante. La question du tiers investissement ou du financement par un crédit bail, ça, c'est des choses qui peuvent aussi invalider un projet ou le rendre éligible, mais pas en standard. Donc, j'insiste encore là-dessus. Le travail d'éligibilité, le travail en amont de l'engagement du projet, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de ça. Donc, en définitive, on a vu que pour le coup, sur le projet que j'ai évoqué, il y avait quand même une très bonne couverture par les C2E, ne serait-ce que par le prix. Maintenant, moi, le message que je voulais quand même vous faire passer, c'est que je pense que tout le monde a bien conscience, les C2E, ce n'est pas que un prix de rachat qui peut être proposé, c'est aussi toutes les modalités contractuelles qui peuvent aller autour, tout le travail qui peut être fait. Finalement, le travail en amont est peut-être le plus important, le travail de calibrage. Et c'est ça qui permettra vraiment de couvrir l'ensemble des risques, y compris les risques apportés par les C2E eux-mêmes. Voilà, j'ai fini, c'est bon pour moi. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup Clément. Alors, on a déjà une première question, notamment sur le cas d'étude qui a été présenté, à savoir, à ce jour, quelle est l'économie réelle réalisée? Ils ont fait 25% d'économie d'énergie. Alors c'est D'accord. un peu moins que ce qui était prévu par la fiche. Maintenant, ils ont eu d'autres contraintes qu'ils n'avaient pas nécessairement prévues. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème avec le C2E standardisé, c'est que vous faites pas toutes les études nécessaires pour vérifier l'économie d'énergie. Maintenant, c'est les 25%, c'est ce qu'ils avaient prévu quand ils ont fait le ramp-up. D'accord, ok. Donc, quand même, une économie d'énergie qui est assez intéressante et c'est toujours. Ah oui, c'est substantiel. Ouais. Vu les consommations des presses et vu le nombre de presses qu'ils ont, c'était déjà suffisant pour eux, quoi. Parfait. Alors, j'ai pas de questions supplémentaires pour l'instant. Peut-être de nouveau, en termes de processus, comment on fait si bah, demain un industriel veut savoir si pour son projet il est éligible au C2E, est-ce qu'il doit se rapprocher d'un organisme en particulier? Comment ça se passe Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de rentrer dans le C2E. Il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui proposent des services d'accompagnement. Avec les risques que j'ai évoqués, il faut quand même avoir confiance dans la structure. Il faut quand même qu'il y ait un objet derrière qui soit là pour certifier le financement. Et puis, s'adresser à un objet, pour moi, c'est pas suffisant puisque les objets, ils n'ont pas forcément leur métier, c'est de gérer leur obligation. Et puis de vendre de l'énergie, accessoirement. Donc, ce ne sont pas forcément des spécialistes des C2E comme des structures comme Kaom ou comme Greenflex d'ailleurs peuvent l'être. Donc, pour moi, il est nécessaire d'avoir à la fois un tiers et puis un obligé. Parfait. Bah, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas de questions supplémentaires pour l'instant. Si on a d'autres, de toute façon, on n'hésitera pas voilà, à revenir vers toi par la suite. Merci beaucoup Super. pour cette présentation. Et donc, je vais laisser la parole à Céline pour conclure sur ces différentes interventions. Merci Lucille et merci Clément.
J'ai l'impression qu'il y a un écho, ça a l'air mieux. Donc voilà, je vais faire un résumé, un récap de ce qui vous a été présenté aujourd'hui pour que vous puissiez repartir avec les éléments principaux à retenir. Donc si on commence par l'intervention donc de Noémie sur le programme Invest, donc à retenir, c'est un programme où vous pouvez bénéficier d'une première séance de e-learning, puis une formation en présentiel quand on pourra ou à distance, et puis un travail précis sur une situation réelle, sur un cas réel, un projet. Voilà, donc tout ce programme-là pour objectif de présenter des solutions pour mitiger les risques, et notamment les solutions de financement. Et on a pu voir aussi que de multiples solutions de financement peuvent être combinées. Donc des subventions, on a eu l'exemple sur le plan de relance, et puis le mécanisme de C2E qui a été après donc précisé par Clément, qui peut être valorisé dans le cadre d'un CPE, mais attention, cette bonification des CE2 via un CPE ne sera plus possible, notamment pour l'industrie, après le 31 décembre prochain. Donc voilà pour les principaux points sur Invest. Maintenant, si on reprend les principaux points de l'intervention de Clément, donc, qui était sur le mécanisme des C2E et notamment qui reprenait un retour cas d'expérience concret. Déjà, dans un premier temps, quels risques ont pu permettre de lever ce mécanisme? Donc, sur le risque technologique non atteinte des gains prévus, ici, Clément a mentionné une stratégie de ramp-up et l'utilisation d'une fiche standardisée pour réduire donc ce risque. Sur le deuxième risque, manque d'expertise, donc là, c'est faire appel à un prestataire, donc ici Cameo, dont la prestation, d'ailleurs, le coût de la prestation est supporté par le financeur. Sur un risque qui est risque financier, donc si on reprend notre matrice de risque présentée au début, ici on est sur un risque financier interne qui est l'exigence de rentabilité des projets. Donc ici, grâce au dispositif qui a pu, où 80% du financement a pu être pris en compte grâce au dispositif, on a un ROI qui passe sous le seuil des 2 ans et demi. Et puis le dernier risque qui est un risque plutôt financier externe. Qui est donc un accompagnement financier, qui est ici le fait que la prime a été versée directement au fabricant, et donc ce qui évite à l'industriel de décaisser de l'argent sur ces 80% donc du financement de l'étude. Donc ça, c'est les risques qui ont été couverts par le mécanisme C2E. Et si on récap aussi ce que nous a dit Clément sur les écueils du dispositif à éviter, donc un premier écueil qui est la baisse potentielle du cours des C2E, et donc là, passer par un contrat d'incitation globale permet de protéger contre ce risque-là. Un deuxième qui est qu'il faut absolument bien penser à valider l'éligibilité et le montant de la prime avant l'engagement. Donc là, impliquer un installateur et un tiers comme Cameo permet de fixer à l'avance ces éléments-là. Un troisième point important qui est, et Clément l'a redit aussi à la fin, de s'engager avec un obligé. Et puis, dernier point qui est aussi le fait de mettre en place un contrat tripartite qui inclut l'installateur permet aussi de couvrir un risque sur la non-conformité du dossier C2E. Donc voilà les principaux points qui ont été partagés en résumé aujourd'hui. Et puis, pour continuer, n'hésitez pas à vous inscrire sur les 3 prochains webinaires qui auront pour sujet, donc je rappelle, le prochain webinaire est sur les montages tiers financement et notamment les sociétés de projet, donc SPV. Le webinaire numéro 3 qui sera sur comment financer ces projets. Et puis le dernier qui focus sur les bonnes pratiques opérationnelles, donc les bonnes pratiques hors finance et financement, pour réduire ces risques liés au projet d'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à ces prochains webinaires. Voilà pour ma part. Si vous avez des questions génériques sur tout ce qui a été dit, n'hésitez pas. Il nous reste un moment pour échanger. Oui, alors justement, il y a des questions supplémentaires qui s'adressent à la fois à Noémie et à Clément, notamment alors sur la formation Invest, à savoir combien y a-t-il d'entreprises participantes au programme Invest en cours de formation et qui ont le parcours terminé? Combien y a-t-il à ce jour, on va dire, d'entreprises qui ont pu participer à cette formation? Alors aujourd'hui, on a eu à peu près un peu plus de 300 stagiaires sur le parcours de 3 publics différents, donc des financeurs, donc des banques ou des fonds d'investissement, enfin voilà, plutôt dans l'univers
des financeurs des projets. Côté industriel, plutôt des porteurs de projets. Donc là, c'est assez varié, hein, des grandes et des petites industries. Et puis, on a une troisième population aussi qu'on a adressée, qui est un peu tous les prescripteurs qu'il peut y avoir autour. Donc, par exemple, des bureaux d'études, des experts comptables, des avocats, des acteurs qui vont être entre les industriels et les financeurs pour les conseiller, les accompagner. On a eu notamment quelqu'un chez Newit qui va intervenir dans un futur webinaire. Voilà, ça peut être aussi des acteurs comme ça qui se forment sur le sujet pour pouvoir derrière aller proposer des choses intéressantes aux industriels. Voilà. Parfait, merci. Donc ensuite, on a plusieurs questions de nouveau cette fois-ci pour Clément. Alors d'abord, je vais répondre à une question cette fois-ci qui concerne plutôt l'étude Enea et donc où est-ce qu'elle est disponible. Donc c'est une étude qui est réservée aux adhérents d'Alice, donc le rapport complet est disponible pour les adhérents d'Alice. Par contre, on a une version résumé exécutif qui est disponible sur notre site internet et donc vous pouvez avoir accès à ce résumé directement sur notre site internet. Et donc Clément, une question sur les C2E. Donc dans quelle mesure l'industriel est-il éligible à des C2E sur une installation sur son site mais exploitée par une entreprise tierce en leasing? Quelles conditions et modalités sont spécifiques dans ce cas-là donc? Et donc on ne sait pas en effet si l'industriel sera propriétaire de l'installation au terme du contrat. Donc voilà, c'est une question un peu particulière pour le cas où une installation est exploitée donc par une entreprise tierce. Alors c'est effectivement une très bonne question, c'est un peu compliqué de répondre comme ça, mais la règle générale c'est que un équipement qui est installé en leasing, c'est de la location, et la location quand elle est inférieure à la durée de vie prévue par la fiche C2E, il faut la valoriser en C2E spécifique, puisque les économies d'énergie qui sont prévues par les C2E sont prévues sur une durée. Et si vous avez, l'administration considère que si vous avez l'équipement moins de temps que la durée de vie prévue, bah vous n'allez peut-être pas faire toutes les économies qui sont prévues. Donc il faut faire le C2E, faire un dossier C2E spécifique. Après, il y a finalement, j'ai l'impression qu'il y a deux questions. Il y a la question de comment on valorise des C2E sur un contrat de location. Et quand il y a un exploitant sur site qui utilise et qui exploite l'équipement, et qui n'est pas le propriétaire du site, quel est le bénéficiaire? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, ça dépend du projet. Et pour moi, la bonne réponse, ce serait de qualifier finalement le propriétaire, enfin celui qui va faire l'économie d'énergie. Pour moi, si on peut rattacher la prestation, la maintenance qui est faite, ou l'exploitation de l'équipement qui est faite par l'exploitant, à une consommation in fine par l'industriel, c'est l'industriel qui est bénéficiaire. Si c'est indépendant de ce que paye l'industriel et que les travaux sont supportés par l'exploitant, c'est l'exploitant qui est le bénéficiaire. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse, mais c'est un Si, cas un peu particulier. c'est un cas, Et pour le coup, c'est ça un cas explique un très peu ce que spécial, mais en tout cas, voilà, il n'est pas pris en compte par les fiches standardisées, il faut passer par une fiche spécifique. Alors, ça peut être pris en compte par les fiches standardisées si la durée de vie du leasing est supérieure à la durée de vie de la fiche. D'accord. OK. Et autre question, est-ce qu'un obligé peut intégrer le montant du C2E directement dans les coûts des travaux? Il faut préciser la question parce que c'est dans le cas où un obligé réalise les travaux, c'est pas clair pour moi. Alors, c'est Pierre Marquis. Je ne sais pas si vous pouvez préciser votre question. Ce qui se fait habituellement, c'est Alors. que l'installateur, c'est le cas dans ce que j'ai présenté, l'installateur, il a intégré les C2E dans le coût de sa prestation, dans le coût de fourniture et d'installation des presses. Et donc, du coup, il a fait une remise du montant des C2E à l'industriel qui n'a pas eu, du coup, à avancer cet argent. Et ce qu'on a rajouté par-dessus, c'est un financement, du coup, de la prime C2E, un préfinancement de la prime C2E industriel qui n'a même pas eu, du coup, à avancer le montant de la prime. Donc, ça, D'accord. c'est possible. Alors,
Alors, du coup, en précision de cette question, donc il avait mis que c'était via une filiale et ce que ne peut pas faire un non obligé. Donc, je pense que. Bah, oui, alors après, chaque installateur qui n'est pas obligé peut s'adosser à un obligé pour proposer un financement de la sorte. Là, D'accord. c'était le cas, puisque le fournisseur de presse, il n'était pas du tout obligé. Ok, parfait. Ah, merci. Je pense que ça répond bien aux questions. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire avec nous. Et je vais laisser Leïla vous faire un mot sur notre prochain congrès qui reprend toutes les questions de la décarbonation de l'industrie, donc les 21 et 22 septembre. Alors, merci Lucie et donc bonjour à tous. Donc oui, pour ma part, en fait, je souhaitais simplement vous rappeler que notre congrès ALICE Ensemble vers l'industrie basse carbone aura bien lieu donc le 21 et le 22 septembre prochain, dans lequel nous animerons également une table ronde avec une introduction sur les financements publics présentés par la BPI et l'ADEME, mais surtout des retours d'expérience de projets avec financement pardon, innovant. Et vous pouvez donc retrouver toutes ces informations directement sur notre site internet. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Et puis, ben, rendez-vous pour la suite de cette série de webinaires, donc le 4 mai à 11 h. Merci encore à Merci tous beaucoup. les... Merci Et puis, merci beaucoup. à tous d'avoir Merci. suivi ce webinaire.